Salut à tous, aujourd'hui on va faire le test de Stranded Deep sur Xbox Series X. Alors c'est un jeu de survie, vous allez voir, je vais vous montrer tout de suite. Ça ressemble un petit peu à Far Cry, le tout premier. Vous allez voir, un petit peu mode survie sur une île. Ça ressemble un petit peu à Lost, on dirait. On va voir comment ça se passe, que je connais pas du tout le jeu. Et pour vous dire que par contre, le jeu est gratuit sur le Game Pass. Si vous voulez jouer à des jeux comme ça, enfin un jeu de survie, ça va être fait pour vous. Par contre, ce qui est pas mal, c'est qu'on dirait qu'on peut construire pas mal de choses. Alors, jouer en ligne, voilà, classement, je regarde un peu tout ce qu'il y a, les options, changer de placement de sauvegarde, d'accord, allez, on va commencer. On peut jouer en ligne? Ah bon? On dirait qu'on peut jouer à plusieurs en ligne sur l'île, on dirait. On va commencer. Alors c'est un jeu tout ce qui survit, vous allez voir, un peu à la Lost, un peu. Ça ressemble un petit peu à Far Cry, le tout premier qu'il y avait sur l'île. Bon, à moins bien quand même. Alors, là on dirait qu'on peut changer. Lancer, changer. En difficulté normale. Ah, il y a difficile normal, on peut pas mettre plus haut, plus bas je veux dire. Femme ou homme, mode, le monde, aléatoire. Existant, ah, ça je sais pas ce que c'est bien, c'est bizarre. Choisissez le général du nouveau monde, jouer d'un monde existant. Ah bon, mort permanent, non. Hein? Alors vous pouvez tout changer les paramètres du jeu, on dirait là. C'est pour ça que je vois. Allez, c'est parti. On va lancer le jeu. On va recommencer un peu. Les capacités physiques. Alors on dirait qu'on est dans la peau d'un style architecte, le mec, je sais pas, petit bourgeois déjà. Avec son petit jet privé. On dirait. Voilà. Oh, oula. Oula, il est sous le sol. Oula. C'est pas bon là. Est-ce qu'on peut se lever? Déjà si on a un niveau à la FPS. À mon avis, il va s'écraser, votre. Je sais pas ce qu'il faut faire. Ah. En fin de compte, il fallait juste regarder. Alors, est-ce qu'on peut nager? Ouais, on peut nager. Tout. Bouteille de vin, super. On peut pas récupérer des trucs là. Monter, sauvegarder, d'accord. Je sais pas où je suis en plus. Oh putain, le bordel. Ok, on peut passer par là? Non. Bon. Faut aller dans la flotte, non? Faut passer par le trou, il me semble. Est-ce que je peux passer? Ouais, je peux passer. Voilà. Est-ce qu'on voit l'avion? Non, on le voit un peu l'avion. Si, on le voit. Ouais, un peu le bordel. Ah ouais, mais c'est en pleine nuit. Hop. Canot de sauvetage. Non, on peut pas monter dessus. Ah, ça, c'est un petit peu dommage. Alors. Il nous montre fabriquer les ceintures, les outils de... progression lors de leur utilisation, d'accord. Alors, ouais, là ça ressemble beaucoup à un petit Far Cry un peu. Hop, on peut nager et tout. On va voir comment ça se passe. Alors, graphiquement, c'est plutôt moyen, même si c'est assez pas mal de choses quand même qu'on voit, mais c'est un moteur graphique qui est pas extraordinaire. Là. Hop. Est-ce qu'on peut récupérer ça? D'accord, on peut récupérer ce que je viens de trouver là. Je sais pas où c'est qu'il faut que je l'amène. Ramasser deux pierres, deux bâtons, il me dit. Comment on fait pour le lâcher ce truc? Hop, d'accord. Ce qui est arrêté pas mal, c'est qu'il nous fasse un petit tuto. Il explique comment ça marche. Une petite musique assez sympa. Alors il nous dit de ramasser des bâtons. À utiliser. Alors. Non, je peux pas le lâcher, je veux l'utiliser. Merde, petit caillou, je sais pas. Utiliser un pour ouvrir le pont, hein, inventaire. Est-ce que je peux le. Là je comprends pas l'entre-truc là. Choisir l'objet. Ouais, reprendre. Comment je fais pour me débarrasser du truc? J'ai un bâton les gars. Est-ce que je peux en prendre deux? Ouais, pour récupérer tout. Ah ouais, ok, je peux tout récupérer on dirait. Alors, par contre leur système est un petit peu bizarre au début. Il faut
Faut que je me fasse la main un peu. Il n'y a pas eu de tuto au début. Ça c'est un peu dommage. On explique un peu comment ça marche. Voilà, en téléchargeant, j'aurais bien vu un petit tuto là. Est-ce que je peux taper avec? Non, je peux pas. Ramasser un, deux pierres et deux bâtons, il dit. J'en ai ramassé qu'un. Alors là, je vais ramasser un autre. Par contre, il me faudrait, il me dit, une pierre. Ah, ça y est. Une pierre. C'est bon. J'ai tout ce qu'il faut. Alors là, il me dit d'accord. Les animaux sur l'île déjà. Et un crabe. Petit crabe. Alors, là il faut que j'aille où là? Fabriquer une pile d'objets à l'aide de ou de bâtons. Alors, ce qui est bizarre, c'est que je sais pas comment on fait pour choisir les objets. Maintenir. Ah ça y est. Fabriquer. Bricoler. Hop. Ah, j'ai un succès. J'ai construit un truc. Retour à l'âge de pierre. Ouais. Vous avez fabriqué un outil. Ah, elle m'a dit que j'ai fabriqué un outil, d'accord. J'ai fabriqué un autre, on dirait. Ouais, il va falloir faire pas mal de trucs. Ça, j'allais pas. Alors, c'est quoi ça? Non, je peux pas. Ouais, il va falloir fabriquer pas mal de trucs. Ah ouais. Ça, je sais pas si je peux le faire. Non. Le feu. Ouais, ça va me servir. Alors c'est un jeu à mon avis qui va prendre énormément de temps. Parce que le temps de tout créer sur l'île, pour survivre en plus. Quoi, il y a pas mal de trucs. Dire de cabane, je sais pas ce que c'est ça. On dirait un petit radeau. Alors peut-être que le but c'est de créer un radeau pour se barrer de l'île. Peut-être. Il m'a dit de fabriquer une pile d'objets à l'aide du rocher ou du bâton. Je vais voir un peu, je vais fouiller un peu dans la flotte. Par contre, je vois pas de jauge de vie là, de boire. Il y a une autre île là-bas. Ah d'accord, à mon avis il va falloir fabriquer un bateau ou un radeau pour aller sur les îles. À chaque île, d'accord. Ah, bah, c'est pas gagné avec moi. C'est pas ce soir pour manger des poissons panés les gars. Poisson clown. Faut pas y mettre un coup là. C'est pour la somme. Alors s'il y a des poissons, on a vu ça en pleine mer, c'est qu'il doit y avoir des requins. Hop. Voilà, je me suis fait attaquer. Ah ouais, il m'a. Faut pas le choper le crabe. Pourquoi, je sais pas. Je vais récupérer tout ce que je peux. Allez hop. Ce qui est bien, c'est que je suis écolo au moins. Hop, je nettoie un peu l'île. Ça, c'est sympa ça. Ce qui est bien, c'est que j'ai la main verte. Alors, est-ce qu'on peut ouvrir ce truc? C'est pas un truc intéressant là-dedans. C'est dommage qu'il soit pas un peu plus poussé le jeu. Qu'est-ce qu'il me dit? Le marteau. Le conteneur. Ah, peut-être je peux me servir. Attends, peut-être je peux me servir du conteneur pour faire quelque chose. D'après ce qu'il me dit. Qu'est-ce qu'il me dit là? Maintenir. Ah, si je ferme, c'est pas bon. Hein. Bon, un petit peu fouiller l'île. Le but au début, on va y ramasser le plus de caisses possible que je peux. Là. Ce qui est bien, c'est qu'il a toujours sa petite montre, comme ça il sera à l'heure. Quelle heure il est. Alors, est-ce que je vais réussir à le choper ça? Déjà, il y a une île là-bas, il y en a une autre là-bas. À mon avis, chaque île doit avoir des trucs planqués, à mon avis, ça va être ça. Ça doit pas être mal un multijoueur, je sais pas jusqu'à combien on peut jouer là. Un multijoueur, ça va être sympa. Il y a mon radeau là-bas, un truc planqué là-bas aussi on dirait. Moi, je vais aller voir mon radeau déjà. Est-ce que je peux m'en servir?
Est-ce qu'il y a des trucs dedans aussi? Hop, je peux récupérer ça. Hop, ah ouais, je suis dans leur dos tranquille. Je suis en train de bronzer. Hop. Ah ouais, là c'est vraiment du Koh-Lanta, là. Maintenir. Xylil pour ramasser. Ah ça y est, j'ai ramassé. Ah ouais, il faut prendre tous les objets qu'il y a sur le radeau, ça peut servir. Stocker. Alors, comment on fait pour choisir? Ouais, je comprends pas là. Est-ce que je peux prendre ça? Ah ouais, pas mal de trucs quand même là. C'est quoi ça? Utiliser. Alors je sais pas si c'est stocké là ou si on peut le... Je sais pas, je comprends pas leur truc là. Ça, je peux m'en servir ça? C'est quoi ça? Une corde, ça peut servir. Là, c'est une encre, ils disent. C'est bizarre qu'ils prennent pas la corde là, ça pourrait y servir. Je vais ramasser le plus possible. C'est quoi ça? C'est une carte? C'est quoi ça? Ah non, c'est un tissu. Hop. Ok, il y a des tissus qui sont planqués un peu partout. D'accord, ça peut servir pour une voile. Ok, je vois. Un crabe. Fabriquer une pile d'objets à l'aide. Équipez-vous de rochers ou de bâtons. Maintenir pour ouvrir les menus. Fabriquer rapide ici. Vous pouvez fabriquer une pile d'objets. Pile d'objets. Alors, ouais. Il m'a dit une pile d'objets. Pour l'instant, je sais pas. Ah, j'ai l'heure. Ouais, super. Ah ouais, le truc cardiaque, l'heure, la bouffe. Ah ben c'est ça, c'est la bouffe, l'heure et l'eau. Oh putain la vache. Ah ouais, je suis mal là. Ah ouais, il faut qu'ils boivent, qu'ils mangent. Oh putain la vache. Ah ouais, normal. Je trouvais ça bizarre qu'ils puissent pas... qu'il y avait pas une jauge. En fin de compte, c'est la montre. D'accord. Les arbres, est-ce que je peux ramasser un arbre? C'est dommage parce qu'il a le jeu est un peu trop simple. Enfin simple. Pas évident, mais... Gameplay, il aurait été sympa, style à Far Cry, hein. Ça aurait été pas mal, hein, un jeu à Far Cry comme ça, je sais pas pourquoi Ubisoft ils ont pas sorti un jeu comme ça, ça aurait été vraiment cool. Alors, hop, comment j'ai fait tout à l'heure pour mettre le truc? Alors là c'est pour les objets, ça c'est la montre, j'ai pu changer l'objet, je comprends pas là. Ah, ça y est, j'ai retrouvé le truc que je voulais. Alors, je dois me rafraîchir. Ah, je fais comment pour me rafraîchir? Je mets dans l'eau? Je sais pas. Ah, il s'est rafraîchi peut-être, je sais pas, j'en sais rien. Non. Alors les gars, je suis en train de chercher en même temps, parce que c'est un peu le bordel leur truc. Non, c'est pas ça. J'en ai combien? Deux. J'ai du bois là, je sais même pas ce que je dois en faire. J'en fais quoi de ça? Ouais, j'ai du petit bois, mais je dois faire quoi avec ça? C'est ça le problème, c'est que je ne sais pas ce que je dois faire avec. Outils. Et j'ai un couteau. Je peux tuer le crabe, non? Je vais essayer de flinguer le crabe. Ah bah voilà, j'ai réussi à le tuer le crabe. Je vais pouvoir le manger, non? Est-ce que je peux créer autre chose? Ouais. Eh, j'ai un couteau. Je vais ramasser ça. Est-ce que le bois il m'en faut? Voilà. Ça va pas être mal après qu'on peut créer pas mal de trucs. C'est fait. Voilà, outils, ouais, j'ai déjà créé. Il dit fabriquer une pile d'objets, ouais, ok, mais il est bien gentil lui. T'as le crabe. Voilà. Je le prends, mais comment on fait pour le manger, le crabe?
comment on fait pour manger le crabe? Alors c'est comme ça. Je suis en train de me faire la main un peu là. J'y arrive maintenant un peu là. On peut le manger? Ok, j'ai crabe à la main et je mange comment ce truc? Hein? Comment on fait pour manger? Jour de survie. Ah ouais, objet bricole. D'accord. Animaux abattus. 2. Îles explorées. 1. Ah, il y a plusieurs îles. D'accord. Je suis en train de bronzer avec mon crabe, regardez. Hop. Mais comment on le mange? Ça, j'aurais pas comprendre. Appuyer pour ramasser. Non, je l'ai ramassé, je. Ouais, je comprends pas, là. Je le mange comment? C'est bien parce que là, je suis en train de balancer tous mes crabes, mais il faudrait peut-être que je les mange. Je sais pas si comment on les range, par contre. J'arrive pas à comprendre ça. Et je vais le balancer là en attendant hein. Si j'y arrive. Au final le bordel. Effet de statue. C'est quoi ça, effet statue? T'es genre un peu ce qu'a fait la montre tout là. Alors cuisine et récolte. Ah ouais, il y a tout ce qu'il faut sur la montre, d'accord. Il va faire nuit en plus. Ah, c'est pas mal, ça prend en compte le temps. Et j'arrive pas à me débarrasser de mon crabe moi. Il faudrait que je fasse une cabane là. C'est pas gagné parce qu'il me faut du bois. Ouais, il faut un peu de tout là. Comment il fait pour me débarrasser de ce truc, ce crabe? Est-ce que je peux le manger? C'est ça que je voudrais savoir. Est-ce qu'on peut le manger? Maintenir pour lâcher. Ah ouais, ça veut le B. Utiliser. Je vais les salver là pour l'instant. Ah, il faut peut-être les faire cuire, je sais pas. J'en sais rien. Je vais reprendre mon couteau. Choisir l'objet, la pierre. Je reprends mon couteau, je vais en tuer un autre. On sait jamais s'il y a un succès à faire. Allez, vas-y. T'es, j'arrive pas à le tuer. Est-ce que je peux le prendre? Je peux couper l'arbre? Ah ouais, je peux couper l'arbre. Peut-être avec le couteau ça me servir, non? Ah, j'ai un autre succès les gars. Un océan de mouettes. Je sais pas quoi là, bizarre. Alors. Attends, il était en train de faire le truc là. Et alors? C'est quoi ça? Ah, il peut monter? Ah d'accord. Ok, il peut grimper, ok, d'accord. Ah c'est bon là. Je sais pas du tout. Ça par contre c'est bien trouvé ça. À mon avis je peux le couper ça, mais j'ai pas le truc qu'il faut. Ah ça je savais pas par contre. On dirait que dans le jeu on peut faire pas mal de choses quand même. Ça me fait penser à un jeu de survie qu'il y avait sur la Nintendo DS, mais je me rappelle plus du nom là, où il fallait il y avait un jeu comme ça là. Un jeu de survie comme ça. Oh la lune. On dirait qu'il y a un truc là-bas. Bah là on s'en sent bien seul. Putain là. Maintenir pour ouvrir. Alors ce qui est dommage c'est qu'ils expliquent pas bien trop comment il faut créer les choses quand même. Il y a marqué en haut là, mais fabriquer hein, des piles d'objets pour à l'aide de roches ou de bâtons. Équipez-vous de roches et de bâtons. Est-ce que je peux le couper ça? Non, je peux pas. Je peux le couper ça? À mon avis, j'avais 10 ans pour le couper ce truc. Fabriquer des rapides ici, pouvez-vous fabriquer des piles d'objets? Ouais, mais piles d'objets, il est bien lui, mais piles d'objets. Pour l'instant, j'ai pas créé grand-chose. Bon, je vous dis, c'est un jeu qui va prendre énormément de temps. Ou à part que vous tombez sur un mec qui est déjà tout fait en ligne, c'est déjà pas mal. Non mais ça va être sympa, mais c'est vrai que comme il n'y a pas de tuto au début, on a un peu perdu là, ce qu'on doit faire. Bon, je me doute qu'il faut faire un campement, du feu et radeau. Mais par contre ça aurait été sympa qu'il soit un peu plus facile là, en mode survie.
Et bien, un mode survie, j'avais testé il y a pas longtemps, comme ça, un peu, qui ressemble un peu à ça, mais c'était les zombies. Un peu plus du nom, ça. C'était un style comme ça aussi, il fallait le maîtriser dans le plus de la vidéo. J'avais fait le test il y a pas longtemps, il était pas mal aussi. Hop. Par contre, la montre, elle sert à lumière. C'est quoi ça? Je ramasse tout ce qu'il faut, là, parce qu'on dirait que je peux ramasser. Ouais, à mon avis, il faut ramasser un maximum de choses que vous pouvez. Des pots de pierre. Hein, ça on dirait qu'il y a quelque chose là aussi, mais je peux pas le faire pour l'instant. Bah, j'essaie de trouver pas mal de trucs là pour essayer de construire quelque chose. Je vais attendre que le jour revienne. Pour aller un peu voir dans la mer, on va voir. Si c'est nager, Popol. Il est où le crabe? Il est ici. Il y a les oiseaux. Hop. Peut-être qu'on peut faire un arc, je sais pas. Hein, il y avait un truc là. Et je vois rien du tout là. Un arbre. Un morceau de bois là, il me semble, non? Regardez tous les objets que j'ai. Là j'en ai ramassé un. À quoi me sert la boussole? Celle-là je l'ai pas, je la vois même pas. Celle-là est pas mal. Si, ah, si je la vois. Pourquoi ça c'est que je la vois pas là? Un peu bizarre des fois le jeu. Ils indiquent le truc là. Ah. Ok, quand je cours je la vois et après je la vois plus. D'accord. Super. Ah si là je la vois. Ah si là on la voit, je sais pas pourquoi, là, on l'a revu. Alors. La main. Hop. Morceau de bois. Utiliser. Ah, pour l'instant il faut que je crée un truc là. Des oiseaux là. Pas faire grand chose, peut-être sur cette île on peut pas faire grand chose, je sais pas. Hein, il y a un truc là. Hein, ouais, noix de coco. Un coco, ça doit être pour boire ça. Je pense, merde. Effet statue. Putain, bon, je vais regarder la bouffe, parce qu'à mon avis il doit pas être bien là. Non, pour l'instant ça va, mais. Interne de me manier. La cuisine, faire cuire. Ah ouais, chauve-souris. Chauve-souris. Ah ouais, chauve-souris. C'est un truc de malade. Alors, on est où là? Ça c'est bon. Ça c'est la montre. Je peux pas créer autre chose là? Fabriquer. Hein? Ouais, je le mets où ça? J'aime bien, j'ai encore la putain de truc à la main là. C'est quoi ça? Je sais même pas ce que c'est. Je peux créer un truc, mais je sais pas où c'est qu'il faut le mettre. Hein. C'est un peu le bordel leur truc. Hein. Je peux pas le mettre là. Ah, si je peux enlever la boussole, ça m'arrangerait. Non. Putain, je vais remettre. Putain, je vais reprendre la même. Voilà. Tant mieux. Putain, la montre, je vais mettre. Il est quelle heure? 21h. Ah ouais, ça prend carrément en compte l'heure du. D'accord. Je suis debout, voici nous. Je me lève. Je me sens pas d'aller en mer là pour aller voir notre île en nageant parce qu'avec les requins à mon avis. Bon, on va aller voir après. Est-ce que ça flotte ça? Je peux pas me barrer avec le. Ça, je peux pas le reprendre. Je peux pas le pousser là pour aller ailleurs. Le radeau utilisé. Et le radeau il faut s'en servir. Utiliser.
Ok, à part monter et descendre, c'est tout ce qu'il peut faire. Stockage. Alors. Ça, je peux créer. Voilà. Ça, je peux créer autant de fois de couteaux que je veux. C'est pas ça que je voulais faire, moi. Comment j'ai fait pour créer le. Je vais regarder comment j'ai fait tout à l'heure pour le truc là. Utiliser, non. Utiliser. Torche de votre. Ah, j'ai une torche. Ah, mais le problème, c'est tant que j'ai pas fait de feu, ça va me dire la range, la torche. Ah, ouais, j'ai une torche, mais comment je fais pour faire du feu, moi? Ouais, ça. Ouais, je l'ai là. On dirait que j'ai le totem. Ouais, attends, je pense que ça sert à grand chose. Hein. Comment on fait pour prendre le. Attends. Lance. Ah, je comprends pas parce que j'ai demandé la lance. Et. Fait une lance. Allez, viens ici toi. Peut-être pour les poissons. Ouais. Ok, j'arrive pas à le tuer le truc. Ah si, ça y est. J'en ai chopé un. J'en ai chopé un. Ouais, je m'attendais pas à ça quand même. On peut faire pas mal de trucs quand même. Dans le jeu. Alors, c'est dommage que là j'ai obité un peu. Ça fait un peu trop PC quand même. Un level. Ah, j'ai un level de chasse. Ah, on a des levels en fin de compte. D'accord. Ça fait chier là, parce que je suis en pleine nuit là, je peux pas voir si je peux attaquer les poissons et tout. Putain, je peux pas tuer une chauve-souris là. Merde, elle est où? On va aller voir ce qu'il y a autour là. Et ouais, là, je vois que dalle. On va baisser. Ah, il faut pas les poissons là, c'est le problème. Merde. Alors, je commence à avoir pas mal de trucs quand même. Mais ça me dit pas comment je dois m'en servir. C'est ça qui est un peu le bémol. Alors. J'ai ramassé ça, équipé, étudié. Ah ouais, il me dit comment ça, je dois créer le truc, étudier. Il me faut quoi pour faire la cabane? Ah, il me manque plein de trucs encore. Le feu. Feu de camp. Feu de camp. T'es, il me manque un truc, je sais pas ce que c'est. Les cailloux, je les ai. Ah, la voile, t'es. Là on le voit, ce qu'il faut. Ah, le problème c'est qu'il me manque un truc, je sais pas ce que c'est pour faire le feu. Caillasse, ça c'est bon. Je sais pas pourquoi il arrive pas le caillasse là, je comprends pas. C'est pas le même caillou? Ah si, c'est mon caillou. Je vais reprendre mon petit couteau. Hop, un petit couteau à beurre. Ouais, parce que j'ai aucune idée ce que c'est le truc pour faire le feu là. Et le caillou. Vous avouez là que je suis un petit peu perdu là. Je me suis fait attaquer. Saloperie, je suis attaqué par les chauves-souris. Putain, m'a maniaqué l'autre. Par contre, j'ai pas senti les vibrations là, de le jeu. Comment je vais faire là pour aller de l'autre côté moi?
c'est bon. Hop. Ça c'est bon. Ce qui est bien ici, c'est qu'il y a un petit crabe. Tant qu'on fait pas le feu, je pense que ça va être le gros bordel. Il y a une île là-bas, je sais pas si je peux y aller. Je tente d'y aller. Allez, à la neige. Outils, bricolage. Je sais pas comment c'est quoi ça. Et je vais regarder la montre, il est 1 h. Ouais, ça passe vite. Attends. Ça fait loin l'île là. Lâche. Allez, on va tenter, si on s'est bouffé. Tranquille au bord de mer. Avec mon couteau. Est-ce qu'il peut nager jusqu'à la mer? Je pense pas quand même. Oui, il peut pas. Il peut pas, ouais. Ah merde. Ouais, ça fait un peu loin quand même. Parce qu'à la neige. Hein. Il va se noyer. C'est dur, hein. Allez, on revient là. Ah, il est pas mal fait hein, quand même. Qu'est-ce qu'il me dit là? Cloison. Ah, ça peut servir. Si j'avais un marteau, en fin de compte, je pense que je pourrais le... Non? Ou ça se pète? On dirait que ça se pète, non? Putain, ça va peut-être tomber, ça. Ça va m'aider. Ah, physique, je vais monter un niveau. Ah, alors ça, je savais pas du tout aussi. Je pensais à le faire, ça allait. Ça va être un peu long à faire, mais on n'a pas le choix. Allez. On me disait tout à l'heure, hein, si on mangeait du poisson pané, on va être obligé de faire pas mal de choses. J'ai un marteau là, attends, je l'aurais fait. Est-ce que je peux le casser? Parce que là, c'est de plus en plus dur là. Ça va me servir peut-être pour faire un radeau, peut-être, je sais pas. Essayer de le péter tout. Ah, je vais monter en physique. En fait, le ça, par contre, les gars, ça va vous servir. Parce qu'en physique, on dirait qu'il est le meilleur. Ce qui fait que peut-être je peux couper les arbres. C'est vrai que j'ai pas essayé là. Faudrait essayer là. Voir. Parce qu'en fin de compte, je savais pas qu'il y avait une jauge pour en fin de compte pour monter le niveau de physique. Ça, je savais pas du tout. Je viens de m'apercevoir maintenant. Ça va être un peu long, mais on n'a pas le choix. À mon avis aussi, le fait de manger et de pas boire, ça va pas aider aussi. Parce que je comprends pas, il marque fabriquer un pile d'objets, ouais, je fabrique un paquet de trucs, mais le problème, ça va pas servir à grand chose. Allez, encore 2 coups là. On va y arriver, ça va tomber, je pense. Et balèze quand même avec son petit couteau, il arrive à faire ça lui. Allez. Encore 2 coups, mais c'est bon. C'est tombé. Hop. Est-ce que je peux le récupérer maintenant? Panneau. Hop. Ouais, je l'ai cassé alors. Ouais, je l'ai pété. Je sais pas si je peux le récupérer. Je vois. Est-ce qu'on peut péter autre chose là-dessus? Ah ouais. Ah, on peut tout péter. D'accord. Ah ouais, il faut tout casser les gars. D'accord. Après, ça va nous servir. Ouais, je peux faire tout maintenant. Ah ouais. Ok. D'accord. C'est vrai que ça va servir ça pour faire un petit radeau. Mais ça prend du temps. Je disais c'est un jeu qui va prendre énormément de temps. Ah voilà la mer. Est-ce qu'on peut le prendre ça non? Hop.
sais pas trop. Hop là. Le jour se lève, non? Ça va pas tarder à se lever là. Ouais, on dirait que le jour se lève. Il est quelle heure là? Il est 4h. Ouais, ça va se lever là. Pouvoir mieux voir parce que là en pleine nuit c'est un peu le bordel. Est-ce que je peux couper des arbres là? Il n'y a pas de jauge par contre. Caillasse, je veux? Non, je peux pas. T'as un peu coupé les autres trucs ici? Non, on peut pas. Ah, il est bien fait par contre. Par contre, je pense que ça va être sympa un multijoueur comme je vous disais tout à l'heure. Je pense qu'un multijoueur ça va être assez rigolo et en plus ça doit aller beaucoup plus vite. Je pense que ce serait plus facile de jouer à plusieurs. Oh Dracula. Ouais, ça serait bien que ça se lève là, que je voie un peu mieux ce qui se passe. Ça va être dans l'ombre, on dirait un petit fou là, avec son couteau. Ah, on dirait un peu le film ouais, avec Tom Hanks, Seul Monde. Il manque plus que son petit ballon là de voler et c'est bon. Je sais plus comment il l'appelait. Il avait donné un nom. Ouais, il avait fait ça pour pas perdre la boule. Parce que tout seul sur une île à mon avis, on doit vite péter un câble. Je peux le couper ça. Ouais, je peux le couper, je sais pas si je peux le récupérer, j'en sais rien les deux. Alors, j'aimerais bien que ça se lève là. Je vais regarder si je peux faire des trucs. Hop. Je sais pas ce que c'est le truc avec l'avion là. Dès qu'il y a des atouts bloqués ou planqués, je sais pas. Qu'il faut débloquer on dirait. Hein, t'es il est là. La hache. Eh ouais, j'étais pas à la hache. Le marteau, je l'avais dit. La lance, je peux le faire. Le flotteur de pêche. Ah bon. Un harpon. Il y a plein de trucs qu'on peut débloquer, mais à mon avis, il en faut du bruit. Bon, le mec qui est bien équipé, là, il peut faire pas mal de choses après. Bon, c'est pas mon carré pour l'instant, je suis un peu largué. Ah, il fait jour. Allez, ça commence. On va essayer de voir quelque chose. Ça va être pas mal d'aller sur les autres îles là, vrai. Parce que s'il faut sont plus grandes, il y a peut-être d'autres trucs. Et j'en vois en tout, j'en vois. J'en ai vu 4 en tout là. 4, 5, 5. Ouais, pour l'instant, je vois rien. Je vais essayer de nager, mais là pour l'instant, je vois que dalle dans la flotte. Chasseur aussi. J'ai plus ma lance. Elle est où? Merde, il faut déjà recréer une. Je sais pas. C'est quoi ce couteau? Ouais, c'est pas mal fait l'effet là. On va bronzer. On y voit que dalle même là. Même avec le soleil on y voit que dalle. Ah ben elle est là. D'accord. J'ai la lance. Pourquoi je la vois comme ça? Déplacer. Ah, je sais pas où là. Pourquoi je la vois comme ça? Bricoler. Il dit de bricoler avec, c'est bizarre. J'ai pas compris là. Ah, c'est un jeu sympa à faire. Comme je vous dis, il est gratuit sur le Game Pass. Si vous aimez les jeux comme ça, de survie, c'est pour vous. Moi je vous le conseille parce qu'il est pas mal, mais par contre il va prendre énormément de temps. Parce que le temps de chercher, tout faire, tout. Moi je vous conseille de faire un mode multi hein, avec un pote. Je sais pas ce qu'à combien on peut jouer là-dessus, mais... Parce qu'à deux, hein, je pense.
pas mal quand même. Même si graphiquement il est plutôt moyen. C'est sympa quand même, le principe est assez cool. Est-ce qu'on voit la flotte là? Est-ce qu'on peut voir en dessous? Qu'est-ce qui se passe? J'ai relâché, je sais pas. Ah, il commence à être fatigué. Ah ouais. Il commence à être fatigué mon personnage. A mon avis il va mourir avant que je fasse un truc. Ah, il est mouette. On peut les chasser, mais à mon avis, il faudrait... Merde. Ah ouais, il se fatigue de plus en plus. Oh putain. Les poissons. Je vois les poissons. Je vois les poissons. Est-ce que je peux tuer les poissons? La flotte. Viens ici, toi. Oh, les poissons, les gars. Oula, on peut pas nager longtemps pour moi. Je dois trouver de l'eau. Oh, elle est ici, là. Je dois trouver de l'eau, il a dit. Oh, il y a un serpent. Oula. Un barracuda, non? Qu'est-ce que c'est, ce truc? C'est bien, j'ai mis un coup de couteau et il crève même pas, le truc. Je sais plus où je suis, là. Oh, les poissons. Il y a pas mal de petits poissons. À mon avis, il va en requin aussi. Ouh là là, je suis crevé, crevé. Ah. Il tient pas longtemps, longtemps dans l'eau. Vu la mer comme ça, il doit avoir des requins. C'est certain. Il doit avoir des copines. Ah, il tient pas longtemps par contre, physique. Ah, c'est dommage, j'ai oublié ma crème solaire. Ouais, je peux pas faire grand chose. C'est quoi là-bas hein, qu'on voit là-bas? Je vois un truc là-bas. C'est quoi ce truc là-bas? Je vais aller voir ce que c'est. Je vais aller voir ce que c'est, mais par contre, il faudrait qu'il se remette en état parce que là il est un peu à la. On va aller voir ce que c'est. Qu'est-ce que c'est que ce truc là? Si je peux m'en approcher, ça serait pas mal. Qu'est-ce que c'est que ce truc là? Ah, c'est le poisson que j'ai tué tout à l'heure. C'est le barracuda. Ouais. C'est le barracuda, les gars. Ce qui est bien fait, c'est qu'il y a pas mal de poissons par contre. Ça, c'est pas mal fait. Les jeux d'habitude, il y a 2 ou 3 poissons qui se baladent là, il y en a pas mal. Allez, je vais remonter parce que la surface, celui-là il est complètement en mode. Merde, je suis un peu loin de. Oh, mon île là. On peut pêcher aussi, je pense qu'on va faire des cannes à pêche. C'est ça que je voulais vous montrer tout à l'heure. Ah, une petite tortue. Ah, je tape pas la tortue quand même. On a peut-être qu'il a... Ah, il y a un bateau là. Attendez, il y a un truc là. Je suis vers où là? Ah, je suis là. Il y a un bateau. On peut récupérer un truc ça? Non? On dirait un bateau pirate, non? Je sais pas ce que c'est. On peut récupérer le truc? Physique. Ah, ouais, il y a un requin, les gars. Il y a un requin. Ça a bruit. Oh putain, il y a un requin. Il y a un requin, vite. Ah, je me casse. Je vais me bouffer. Putain, il y a un requin. J'ai failli me faire bouffer par un requin, les gars. Voilà, les gars, c'est pour le montrer, hein. Je vais pas en faire plus. C'était pour montrer un peu tous les aspects du jeu, tout. Il y a pas mal de choses à faire, mais ça doit prendre énormément de temps. Et en plus, j'ai cherché un peu comment il fallait faire, un peu tout là. Mais c'est un peu le bordel, leur truc là.
pour faire. C'est dommage, il n'y a pas un bon tuto au début pour expliquer bien comment ça marche. Ah, il pleut, mais non. Hein, pour récupérer l'eau, là. Ah oui, il pleut. C'est bien fait, ça, le temps, là. Ah, d'accord, ouais. Ah, c'est pas mal fait, ça. Il y a une tempête, là, on dirait. On entend le vent, là, avec la pluie, tout. C'est pas mal fait, ça. Oh, il y a carrément un orage. D'accord. Oh, les moitiés qui se barrent. Oh, les vagues. Ouais, d'accord. Bah, c'est bien fait. C'est bien fait, ça, par contre. Ah, on attend bien le vent, là. Ah, bon, on va s'arrêter sur ça, les gars. Ah, je vais continuer. Je vais essayer de trouver quelqu'un. Hop, je vois un multi pour voir. Pour les vagues, autre. Hop. Voilà, je vais m'arrêter là. J'espère que ça vous aura plu. Moi, sur ce coup, je vous dis à plus pour d'autres vidéos. Pensez à me laisser un petit like. Pensez à vous abonner à ma chaîne, petit François 17. Sur ce coup, je vous dis à plus pour d'autres vidéos. Ciao.